Salut les gars à tous. C'est la troisième fois que moi et Hassan on filme cette vidéo. Une fois on a filmé, il pleuvait. Deuxième fois on a fait une vidéo même complète globalement, on n'a pas trop aimé et on a recommencé à refilmer. Depuis ce temps-là, on a fait une petite modification, donc au niveau de feu, de trois remplacements, ça dans la vidéo, j'espère que je ne vais pas oublier, je vais vous dire. Ne critiquez pas trop le griffe qu'il y a sur cette voiture-là, je veux juste parler de E60. C'est pas un M5, c'est pas un gros moteur, c'est juste une 520D. Dans la vidéo en même temps, je vais vous montrer le course essayé contre 2-3 voitures. On va voir comment elle va aller. On va voir qu'est-ce que ça va donner. J'espère que vous allez aimer la vidéo. Le début que vous avez vu là, c'était fait il y a déjà une semaine. Donc là, ça sera un petit peu notre morceau. Let's go, BMW E60 520D. Cette voiture-là, elle était faite quand BMW, il avait plein d'études, quand ils avaient rien à foutre de marketing et tous ces trucs de même. Le polonais, il faut le mettre banane. Mets le carton à fond. 1, 2, 3. Cette voiture-là, elle ne démontrera jamais. Si tu trouves une bonne dans un bon état, elle ne se démontrera jamais, cette voiture. Tu viens ici, j'ai mis banane à la polonaise. Les gars, première chose que je vais vous parler, c'est le feu avant de BMW E60. Il est unique le feu là. Je suis très content qu'ils n'ont pas perdu leur ancienne tradition, enfin, ils n'ont pas arrêté leur ancienne tradition comme sur E39. Angel Lights, ils ont juste rajouté une LED ici. Le feu là, il est vraiment magnifique. Ça continue, ça descend, c'est une agressivité de fou. Avec le capot, avec le ligne qui descend là, c'est vraiment trop bien fait. Tout il est choisi, tout il est refait par le détail de A à Z. Tout ils ont contrôlé, ils n'ont rien laissé passer. Les amis, le pare-choc avant de E60, la différence entre pare-choc de E60, M5 et pare-choc normal, c'est juste les anti-brouillards. Pourquoi ils n'ont pas mis les anti-brouillards sur E60? C'est refroidir, parce que tu as les radiateurs derrière, il fallait tout refroidir, c'est quand même un V10, c'était un gros moteur. Moi je trouve que comme il n'avait pas d'anti-brouillard, ça lui donnait plus de lock. Mais même déjà pare-choc d'origine, pack M, elle est beau, elle est trop beau, elle est très agressive. Ça ressemble un animal qui veut te agresser. Vous voyez ce que je veux dire? Un pitbull, il veut t'agresser, il veut te blesser. Ah ben, cette voiture-là, c'est la même chose. À sa pare-choc, les calandres, le capot, le ligne de phare, tout, avec les portes, quand ça descend, c'est trop bien fait, cette caisse. Le feu arrière, elle est magnifique aussi. En fait, tout est magnifique sur cette voiture-là. Il y a quelques trucs que j'aime pas, mais ça, je vais vous dire un peu après, plus tard. Le feu arrière, j'aime bien trop. Mais en facelift, ils ont changé le feu. Tu avais les LED là en plus. Parce que comme celui-ci avant de facelift, c'est une fin de 2006, je pense. Facelift, c'est à partir de 2007-2008. Je ne me souviens plus exactement. Si vous le savez, notez en bas de commentaire, les amis. Et les feux là, ils sont vraiment agressifs. Tu as l'impression qu'un lion était venu et t'a mordu ton visage, bah, avec ses ongles. Tu vois, c'est la même chose. Le pare-choc arrière, les gars, moi, sans pack M, cette série 5, je ne vois pas. Peu importe que ce soit E39, E60, F10, sans pack M, c'est pas beau. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Le pare-choc arrière, elle est vraiment bien faite. Comme vous le savez tous, M5, il a 4 sorties. Mais ici, il y a une sortie. Mais il y a beaucoup de gens. Sur le petit diesel 2 litres, 3 litres, il met des échappements 4 sorties. Moi, je trouve que ça gâche de beauté que tu veux le faire comme une M5. Moi, je ne l'aurais pas fait, je l'aurais laissé comme ça. Chacun son goût, je ne vous critique pas, les gars. Mais moi, je trouve que c'est un truc de gamin, comme beaucoup de mes copains ils pensent à ça. Je préfère avoir une sortie et faire belle, mais une sortie. Vous voyez ce que je veux dire? Modifier cette sortie-là, on va dire deux grosses buses à sortir, ça donnerait plus de lock. Mais chacun son goût. Je ne vous critique pas, donc faites ce que vous voulez sur votre voiture.
Les gars, voilà, à votre avis, ça ressemble à quoi cette antenne-là? C'est la BMW qui l'a inventée première fois, ça. Ça donne une agressive, ça donne une beauté. Ce morceau-là, c'est vraiment, vraiment bien fait, je trouve. On dirait que ça ressemble à un requin. Après, beaucoup de marques ils ont commencé à copier ce machin-là, mais bon, c'est BMW qui l'a fait première et je trouve que c'est vraiment, vraiment bien fait. Les gars, ça, c'est un moteur M47. Attention, ne trompez pas avec N47. N47, c'est de la merde, vous le savez tous. C'est bien. Les gens qui connaissent un peu BMW, M47, donc ça veut dire que tu as déjà plus de problème de chaîne. Donc le chaîne est là à l'avant. Moi, je voudrais bien savoir le potentiel qu'il a sur ce moteur-là. Pas juste faire un carto et d'un pas et aller plus loin, sortir 300 à 350 chevaux. Ce serait quand même bien intéressant à ça pour voir. Hein. Mais je sais qu'il il va rien faire contre Golf 4, mais ce serait quand même bien intéressant pour voir qu'est-ce qu'il va le faire cette voiture-là. C'est un très très beau moteur. Il faut juste remplacer telle huile, tel entretien comme il faut. Moi, je préfère 1000 fois cette moteur-là que 2,5 litres. Moi, avant, j'ai eu 2,5 litres. Et croyez-moi, les gars, c'était de la merde catastrophe. C'était, ça consommait, ça n'avançait pas. Mon frère, à ce moment-là, il avait un autre Audi A4. C'était une 130 reprogrammée. Moi, ici, j'avais 177 reprogrammée. Je n'arrivais jamais à lui dépasser. Chaque fois, il mettait une voiture. Peut-être parce que c'était une boîte auto possible, je ne sais pas. Mais bon, c'était comme ça. Chers amis BMW, les gars, vous le savez bien, j'aime bien comme dire les choses qui est. J'ai été chez BMW pour acheter une pile pour cette voiture-là, donc BMW ici pas loin de chez moi. Je vais voir, je demande une pile. Il me dit, le gars de magazine me dit, ah non monsieur, il n'y a pas de pile pour cette voiture-là. Pour cette clé-là, je dis, comment ça, il n'y a pas de pile? Il me dit, ah non, donc je continue la phrase. Donc qu'est-ce que je dois le faire? Bah, il faut acheter un clé. Vous le savez bien, les clés, c'est pas donné. Je dis, combien ça coûte les clés? Il me dit, le clé, c'est 250 €, plus il faut rentrer la voiture, adaptation, les clés, tout ça. Mes chers amis de BMW, j'ai été voir sur Internet. Je rentrais chez moi, j'ai été voir sur Internet. La cache ici et le clé, donc la pile et le cache ici, j'ai payé 20 € sur Amazon. Mais c'est normal que vous perdez des clientèles après, quand il n'y a personne qui vient chez vous réparer ces bagnoles, à part les sociétés, voitures de remplaçants, tout ce qu'il y a, les voitures de société qui viennent. Mais c'est normal, il n'y a personne qui va venir chez vous. C'est difficile de demander 100 balles le clé ou de demander 220. Je comprends que vous devrez le gagner de l'argent, mais pas autant. Je préfère donner 20 € et acheter à AliExpress ou Amazon ou quoi que ce soit, et je le sais que ça fonctionne. Mieux que d'origine, qu'est-ce que vous voulez? Les amis, l'arrière, il y a quand même beaucoup de place. Franchement, je suis trop bien, mais je ne touche pas le toit, quand même, je suis un gars bien grand. Le siège elle-même arrière, pour une 2006, est-ce qu'elle est confortable? Super confortable. Je ne sais pas quoi dire, j'ai envie de dire quelque chose sur cette voiture-là, approcher, mais il n'y en a pas. L'accoudoir d'arrière, magnifique. J'adore cet accoudoir-là, c'est trop beau. Parce que l'autre accoudoir qui d'habitude ils font dans les autres modèles, t'as l'impression... Là, comme il pousse sur le siège, il ne bouge pas. T'as les trucs pour mettre les coca, tes bouteilles d'eau, c'est vraiment, vraiment bien fait. La qualité est incroyable. Regardez les amis, toutes les finitions de cuir, comment c'est bien fait. Là, c'est quand je vous dis, c'est quand BMW il avait de l'argent, il ne faisait pas de la merde, il faisait une bonne qualité. Partout où ce qu'ils ont travaillé sur cette voiture-là, ils ont contrôlé tous les détails. Le volant, le tableau de bord, toutes les plastiques, tout. C'est incroyable. Franchement, j'ai rien à dire à cette voiture-là, malgré tout que c'est une 2006. Le multimédia de BMW, les gars, ils ont fait dans le monde automobile une évolution de fou.
Chez Audi, tu avais MMA et 2G. Chez Mercedes, je ne me souviens plus c'était quoi exactement, parce que j'ai pas envie de vous mentir. Chez BMW, ici, c'était iDrive. Le iDrive, je pense qu'ils ont fracassé tout le monde. Franchement, c'est un multimédia de fou. Pourtant, c'est une toute première modèle. Hein, donc, tu as tout dans une putain de joystick ici. Tout, il y a tout sur un roulette de là. C'est vrai que quand tu es dans une Mercedes, tu as l'impression que tu es dans une voiture qui vient d'une autre planète. Mais BMW, je sais pas. Chacun son goût, mais moi, je préfère le multimédia BMW 1000 fois. Le défaut, ce que je lui dis, c'est celle que j'aime pas. J'aime pas les vitres qu'il est là. En facelift, ils ont mis là, sur le accoudoir de la main gauche, on va dire, sur le panneau de porte. Je préfère qu'il soit là parce que là, je sais pas, c'est en direct, chaque fois tu dois aller chercher. Mais comme il est sur la porte, ils ont, pour moi c'était un défaut, ils ont réglé. Dans ce salon-là, les gars, le seul défaut qu'il y avait sur cette voiture-là, pour moi, hein, parce que j'aime bien critiquer et j'aime bien dire de bonnes choses, c'est juste le montage de vitres. À part ça, rien du tout. Le BMW E60. Les gars, quand cette voiture-là, ils l'ont construit, ils avaient rien à foutre de marketing. Ils avaient rien à foutre de la revendre 700 000 modèles. Ils voulaient le faire juste concurrence, niveau de qualité. Entre Mercedes, Audi, il y avait une bataille de malades. BMW, en faisant cette modèle-là, ils ont fait une évolution de fou dans le monde automobile. C'est une voiture qui était beau intérieur, extérieur, avant, arrière, peu importe, dans n'importe quel sens que tu regardais. Ça n'a rien à voir, les gars, par rapport aux qualités maintenant. Bêtement, tu vas prendre la série 5 nouveau modèle, tu vas taper sur panneau de porte, c'est pas le même. Ici, tu le sens que le plastique, elle est bien faite. Tu le sens qu'elle... Je sais pas, les gars. Franchement, pour vous expliquer, c'est que peut-être sur une côté, c'est difficile. Peut-être vous n'allez pas comprendre à ma façon. Parce que moi, je suis maniaque. J'adore les anciennes voitures. La voiture, donc, c'est une 2006. Les gars, la voiture, elle a 15 ans. Pour une... En 2021, à cause de cette putain de CO2, à part ça, les gens, juste pour ça, les gens, ils achètent pas. En France, ça va encore, ils ont de la chance. Mais en Belgique, tu sais plus aller, ni en Bruxelles, ni Tchik, ni Tchak, tu sais rien faire. Est-ce que tu sais partir avec cette voiture-là en vacances, avec ta famille? Bien sûr que oui. Les sièges avant, tu as les plusieurs modèles différents. Celui-ci, ils sont confortables. Je vais pas dire que super confortables. Dans les F10, c'est mieux. Mais pour son âge, ils sont quand même bien confortables. Tu as les sièges confort, tu as les sièges sport, tu as les sièges M. Les sièges là, ça va encore. Et tu as encore les anciens sièges quand tu n'as pas le truc qui avance en avant. Le volant M, c'est trop beau le volant M. Moi, je trouve que c'est par rapport au volant normal, ça n'a rien à voir, c'est jour et nuit. Le volant M de EF90, j'aime pas du tout. Donc G30, F90, c'est le même. J'aime pas du tout. Jusque F10, après c'est fini. Ce volant-là, elle est magnifique, comme E39, E60, disons. Il est différent, mais pas énormément grande différence. C'est vraiment bien fait. Juste prenez votre, si vous avez un nouveau série 3 ou série 5, peu importe les gars, tapez votre panneau de porte et tapez E60, pas une morte, je te parle, hein. Une qui est en bon état, hein. C'est un truc de fou. C'est pas la cuir celui-ci, mais il n'y a pas un bruit, la porte elle se ferme comme si qu'elle était, elle vient de sortir de l'usine, les gars. Le accoudoir ici, elle est vraiment bien faite aussi, les gars. L'accoudoir, elle est simple, elle est facile à utiliser. Tu as beaucoup de place pour mettre tes monnaies. Tu as ici l'intérieur. Ici, où est-ce qu'il y a le GPS, tu peux mettre ton téléphone, quoi que ce soit. En fait, pour mettre tes pièces, comment tu as assez de place, hein. Au niveau de boîte de vitesse, les gars, moi,
que ce soit 5,20, 5,25, 5,30, je préfère boîte manuelle. La boîte auto, c'est bien, mais c'est de la merde, je trouve. Parce que, pourquoi c'est de la merde? C'est pas de la merde parce qu'elle est... Il n'est pas la fiabilité, mais c'est de la merde parce que le changement de vitesse, avant qu'il change la vitesse, tu as le droit de boire café et rentrer chez toi. Boîte manuelle, c'est mieux, comme ici, c'est une 520D, mais 150 chevaux, c'est une boîte manuelle. Sur 535D, je pense que c'est une SMG la boîte. Là, ça va, ça c'est bien la boîte SMG ou DG, je ne me souviens plus les gars. Notez dans le commentaire exactement. I got it all, so best pray. Giving my heart, my soul, my sweat, my goddamn everything. And I'ma say no thing about anything fatal bring. When the mango reach the top, he gon' see plenty change. So get out of the way, the new king coming up to stay. Les gars, quand tu roules avec une E60, exemple, je vais rouler avec ma 508 Peugeot. Quand je roule avec ma 508 Peugeot, t'as pas envie d'accélérer. Même malgré tout qu'elle aura 600 chevaux dedans, t'as pas envie d'accélérer parce que la voiture elle provoque pas. Par contre, t'es quand dans une E60, t'as envie de toujours accélérer. Même il n'y a pas beaucoup de puissance ici, il y a 150 chevaux. T'as envie de toujours accélérer, t'as envie de faire toujours handicapé, t'as envie de faire con. Parce que la voiture elle est sportive. Le siège, le tableau de bord, tout, tu vois, c'est vraiment fait en... Ben, on a 150 chevaux, j'accélère. Oui, elle va bien, mais sans plus. Bon, Hassan, qu'est-ce qu'on va le faire maintenant? On va aller chez notre ami les frères, faire une reprogrammation, et on n'aurait pas essayé contre la Polonaise, Hassan. À son A6. Écoutez, je sais pas que je vais le mettre banane ou pas à son A6, parce que A6 de Miguel, déjà c'est une nouvelle génération, donc c'est une version au-dessus. On va dire 2014, il l'a, hein, 2014-2015, donc TDI, en petit TDI, ça va toujours bien. 1900, 2 litres, ça va toujours très bien. Plus lui, Miguel, il a carto, mais poussé maximum. Il a le ligne complète, il a une boîte à air. Mais ici, il aura juste le carto, mais il y a quelques défauts. Je ne cherche pas excuses. Il y a une fuite échappement, Hassan il le sait, Saïd il le sait, tout le monde le sait. On va aller chez le frère, on va faire le carto, et on va voir qu'est-ce que ça va donner. Hein. Là on est chez mon cher ami David et Patrice. Bon David, le polonais il faut le mettre banane, mets le carto à fond. S'il manque un 5 chevaux, tu le rajoutes. Même s'il y a poulet qu'il faut le rajouter, tu le rajoutes. Il faut que le polonais reste derrière. Les gars, ça fait 10 ans que je les connais. Ça fait 10 ans, il est collé sur sa VW. Là, un truc de BMW. L'autre côté, il y en avait, mais il y a quelqu'un là, ça caillerait, celui-ci. Patrice, ça casse machin là, Mbio. Hein. Tu vas te faire défoncer un jour. Hein. Eh, les Tchétchènes, Mbio, ils n'aiment pas quand ils voient ça. Hein. Bon, les gars, elle est presque terminée. Bon, mon cher ami David, combien chaud plus ou moins? 230. Déjà, Minga, c'est bien. Ça, polonais, il avait combien? 240. Ouais. Ah ouais. Mais bon, avantage de polonais, c'est quoi? Il a un carto, downpipe et botte à air. Et ici, il y a juste le carto. Mais pour BMW, c'est assez, il ne faut pas plus. Deuxième. Deuxième ronde. On va sonner à Saïd. On va dire qu'on a mis banane à polonais. Il va venir comme un handicapé. Allô. Tu viens ici? J'ai mis banane à la polonais. Banane à Miguel. À son assis, j'ai explosé en deux. Attends, j'arrive, je vais te mettre banane aussi. Ça va, allez. Voilà, c'est bon. Bon les gars, je voulais appeler, je pense pas que je vais dépasser.
Plus c'est une voiture quand même bien préparée, il a 250 chevaux. Comme vous le voyez sur le papier, il y a deux jours ici, il a passé sur le banc. On va voir qu'est-ce que ça va donner, mais il va en faire pire qu'à Miguel. Je vais vous pas mentir, je suis vraiment bien dégoûté. Je pensais que je vais rester plus ou moins à côté de Miguel, mais il m'a explosé. Saïd, je ne me parle même pas, je l'ai chauffé exprès pour qu'il vienne. Les amis, ça c'est ma 508, je l'adore cette voiture-là. C'est 100 HD, économique, consomme que dalle, Euro 5. Ça c'est série 5 comme vous avez vu dans la vidéo. Moi, je vous demanderai à vous, je vais faire le choix que vous me dites. Si vous me demandez, laisse cette voiture-là, je vais laisser ça. Si vous me demandez, laisse ça, je vais laisser ça. Si je laisse cette voiture-là, je vais le mettre en stage 3 et je vais le massacrer. Ces deux gamins-là, Miguel et Saïd, je vais exploser leur Audi de brun. À vous de choisir. Chingiz, laisse BMW, mets-le en stage 3, fais le revanche avec Saïd et Miguel. Je fais ça. Ou vous me dites, reste avec le Peugeot, je reste avec le Peugeot. Les gars, un grand merci à vous tous pour votre partage, pour votre like. Moi et Hassan, pour faire cette vidéo-là, avec cette E60, on a fait énormément de travail. Mais je préfère faire une vidéo comme ça pour vous présenter quelque chose de bien, pour faire de qualité, de top, de top. Merci à vous tous. On se verra dans la prochaine vidéo. Salut les amis. Hassan, tu vas voir qu'est-ce qu'ils vont dire, les Tchétchènes. Vends le Peugeot, frère, laisse le BMW. Toi, t'es un Tchétchène, tu peux pas rouler en Peugeot. Hein.